Ici, je te dis, il est cool, tu vois. Vous êtes plein de bonnes intentions quand j'arrive, tu vois. Vous êtes. On vient de proposer un premier rôle, nanana, tu vois, c'est pas. Y a pas ce côté parano dès le début, c'est-à-dire j'arrive, je comprends pas ce qui se passe. Tu vois, Cyprien. Ouais, ouais. Je m'attendais pas que tu m'appelles. Mais de toute façon, dans la scène. Et après, d'un coup, y a une rupture, et qu'est-ce qui se passe là? Je crois que vous êtes comme ça avec moi. Au début, toi, tu joues avec moi, Cyprien. Dans la scène, il a pas de mauvaises intentions. Non? C'est juste moi qui suis. Ouais. Il dit, mais non, mais taquine, n'écoute pas ce qu'il dit, taquine. C'était bien? Pas mal. Alors, ah merde. Le mec qui s'est passé de son dos, dans son dos, tu vois, un truc de bonne, la plus grosse pute, et c'est pour ça que je me suis dit que tu pourrais le fonder plus que moi. Tu me fais quoi là? T'es prêt à jouer la pute ou pas? Attends, tu me fais venir pour ça? Ouais, mais c'est bon, il te charrie, non, pas, on peut le dire. Enfin, je veux dire, t'as toujours rêvé de percer dans le milieu. Là, voilà, t'as l'occasion de montrer ce que tu vaux dans le cinéma en jouant une grosse pute. Voilà, ouais. la plus grosse pute de tous les temps, peut-être même. Bon, faut que j'incite à chaque fois, n'écoute pas, c'est ça? Ouais. Ouais. Dans le rythme, il faut qu'on aille ta. Toi, t'as toujours rêvé d'être acteur. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, donc voilà, moi, je te le donne le rôle, c'est cadeau. Ah, ça nous ferait vachement plaisir, hein, si t'en es. Avec le bagel, pas avec Canal, surtout avec le bagel, on est en train de produire un film et on a pensé à toi pour incarner le premier rôle. C'est une blague. C'est non, à la base le rôle il était pour Jérémy, ouais. Mais on trouve que tu corresponds beaucoup mieux. Et c'est là, Jérémy, que tu dois devenir agressif. On a discuté de quoi? Putain, tu t'es tapé ma sœur, comment tu veux que ça aille entre nous? C'est impossible. Faudrait que tu sois plus énergique. Oui. Voilà. Je tiens à dire que c'était faux. C'est vrai qu'on te voit pas. C'est ta série. Non. La gueule que j'ai. C'est l'envie, le making of est très bien filmé. Avec le sapin, je crois qu'on va les voir. Hein. Ouais. Donc en fait, un chouïa moins. Deux. Quand sur l'exagération. Okay. Un chouïa moins. Un chouïa. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est mieux qu'on les éclaire eux, tu vois, au final. Tu vois qui c'est quand même? Oui, je vois qui c'est. Unfollow sur Twitter parce que dans ma dernière vidéo, à un moment, je fais une parodie de vlog sur un enterrement, tu vois. Et les gens dans les commentaires, ils vont me dire putain, mais c'est clair que le vlog à la fin, c'est l'imitation de Panda Moqueur. Il y en a qui ont dit, mais carrément, c'est trop bien fait, alors que pas du tout, tu vois. Donc, unfollow. C'est filmé. Très bien. Bonjour Panda Moqueur, je n'ai rien contre toi. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous à 14h30. Avenir Pérez. Salfé, c'est où la salfé, s'il vous plaît? Alors, c'est tout droit. Alors, même si ça tourne, hein, tu continues tout droit. T'es sûr d'y arriver? Et tu peux être sûr d'y arriver? Tu peux être sûr d'y arriver. Donc, je te mets le doute ou pas? Bah, dans l'avion, on sait jamais, tu vois. Avenir, vas-y, rentre. Ah, ça fait plaisir que tu sois là. Ah, c'est super. Alors, vas-y, assis-toi, fais comme chez toi. Ça va avec ton histoire là, c'est bien passé? Tout bien? Ouais, ça va, mais. Je t'avoue que j'ai eu du mal à croire que quand tu m'as appelé, je croyais que c'était une blague. On est super sérieux. Je vais rentrer vite dans le vif du sujet. Voilà, avec Bagel, on prépare un film de cinéma, pour le cinéma, et on a pensé à toi pour le premier rôle. Voilà. Vous êtes sérieux là? Ah, oui. Peut-être. Je peux pas rester assis, on me voit pas dans le cadre en fait. On fera un plan, on va faire d'autres valeurs de points en fait. Ouais, c'est bien là comme ça. Putain, il a raison! En même temps, il a raison, c'est vrai que t'es un peu une grosse pute quand même, Avenir. Hein? Vas-y, bah vas-y, je te laisse mettre le premier coup, vas-y, tape-moi. D'abord, tu m'en mets pour en foutre la pression, ouais. Vas-y. Hein? C'est quoi, vas-y, je vais te laisser. Écoute-moi, prends ta vente, vas-y, mets-moi le premier coup, frappe-moi, ici, vas-y, frappe de toutes tes forces, allez, non, tu peux faire mieux que ça. Faire mieux que ça. Moi, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-moi. Je me rassois ou. Désolé, Laura, hein. Non, mais dis-moi ce que je cadre. Hein, c'est ça. Ok, très bien. C'est ça, c'est son zizi qu'il faut cadrer. Ça va se passer comme ça. Ouvre ta bouche. Et avec ma bite, je fais quoi? Je la pose sur le. Ce qui est bien, c'est que vous vivez. C'est les silences. Vous n'êtes pas statique. Et on tourne avec Cyprien, ça va être un peu. Ah, tout à l'heure, t'auras ton bonnet aussi? Non, je vais l'enlever. Ok. Ils sont où les prolongs pour la. Les prolongs. On se la répète? Sans caméra? Histoire d'être dans le rythme du texte. Avenir? Oui. Tu es sûr que tu voudras la faire en une fois du coup? Parce qu'on doit attendre une couleur, comme tu dis, ça va être très jaune. Hein. Et à l'étalot, ça va pas rattraper. Tu vois, on travaille le texte. C'est lui qui fait le making of. Il s'appelle Wojtek. Comme le mec dans Rap Contenders. Absolument. Voilà. Mais c'est un prénom en Pologne. C'est vrai? Quand j'ai créé c'est un vrai prénom? Ouais, mais quand j'ai créé ma chaîne, je savais même pas qu'il existait. Maintenant, on me reproche de le plagier, quoi.
C'est vrai. Désolé de m'appeler. Désolé de t'appeler. Absolument. Tout là, j'étais choqué. Hein? J'étais choqué. Pourquoi choqué? Pourquoi? C'est tellement un des meilleurs. Ah, je ne joue pas au jeu. Ok, bon. Ah non. Bon, bah... Hein? Oui, tu rigoles. Parce que je n'aime pas les jeux vidéo. Excuse-moi, Cyprien. Il est beau, hein? Ouais, c'est pas très intéressant, mais bon. Intéressant. Ne vous abonnez pas, Sacha. Tu m'as perturbé. Oh merde, c'était tellement magnifique, je commençais à avoir la larme à l'œil. Il y a un site qui est terrible pour les... Alors, Monsieur Avner... C'est quoi ça? C'est une pile de gaffes. T'as marqué ce que vous auriez de l'eau? Non, c'est là-bas. C'est vrai? Tu peux me servir? Oui. Mais moi, c'est pas Tom Hardy. C'est quoi? Christian Bale. Non. Il est pas vu sa main, j'ai juste envie de l'un sur l'autre. T'es le... Je veux dire, en premier juste plan... Comme ça. Est-ce que... Il est où ton objectif? Objectif... Moi, je connais l'objectif lune, il est là. Ça, c'est fait. Comme ça, là. Non. 6 000 euros, ça coûte ça. J'ai tombé, il tombé du centre d'or là. Tu l'as testé après, pas? Ouais, il fonctionne parfaitement. T'en es sûr? Ouais. Bon, stop. Tu vois, j'ai fait tomber comme ça. Ça, c'est moins lourd. Le pire, c'est qu'en plus, c'est même pas que je l'avais dans les mains, c'est que je savais même pas qu'il allait tomber. C'est juste qu'il était dans un sac, le sac était pas fermé, j'ai pris ça, ouais. Ça fait POC. Cher ami? Oui, bonsoir. Prends 2 bananes. Elle est bien cette scène, j'aime bien. Tu vois, tout là il était enfoncé dans le truc en fait. Mais non, tu l'as mis dans ta bouche, tu l'as mangé. T'as regardé Raging Blue? Merci. T'as regardé Raging Blue ou pas? Hein? Si, t'as rigolé. Regarde. T'as regardé Star Wars? Okay. C'est bon ça? C'est une balade. Ah ouais? Ça manque, tu parles. T'as qu'à prendre les photos? Ça manque. Ouais. Hé! Hey. Quoi? Mais il est pas mal le trépied, regarde, tu peux faire des bons mouvements avec ça. Non. Pas du tout. Si, si, regarde, non mais c'est fluide, tu veux dire. Pas du tout, mais t'es malade, tu l'as acheté 3€ dans une brocante. Mais alors, regarde, regarde comment c'est fluide. Mais non. Tu peux grave faire des mouvements avec ça, croisant ton expérience de cadreur. Tu peux faire ça? J'ai tourné avec. Tu peux faire ça? J'ai tourné avec Cyprien. Moi aussi? Ça y est, tu l'écris dans ton CV, c'est bon. Et Cyprien, il a tourné avec Hugh Jackman quand même. Ouais, j'avoue. On a un peu tourné avec Hugh Jackman. Ah ouais? J'arrive. Comme quand on voit. Oulala, 300 personnes. C'est bien. Tu entends des bruits. Non. Mais Non mais tu pourras réagir sur les gens qui sont tout au fond. 3000 personnes, je te dis. Ensemble. La séance du soir. Road to Science. Une demi-heure de sport tous les soirs pour bien dormir. Elle dit toujours que cette chaîne de sport, ça va être le prétexte pour devenir un monstre. Ah, t'as des grosses cuisses. Je te jure, mec. Parce que si j'ai pas d'objectif de trucs comme ça, je vais arrêter, tu vois, je vais en faire de temps en temps. Mais avec cette chaîne-là, mec, je vais devenir un monstre. Parce que je vais me faire des challenges de ouf dessus. Je vais faire challenge bras de 2 mètres. Lui, il est bien, il est posé, il se marre. T'es calé, tes coussins et tout, avec ton jogging et tout. Je peux te demander au nord, ton père et ta mère. La pute. Non, il n'y a pas marqué ça. 5000. J'ai vu la vidéo sur YouTube. Ça va aller? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aime bien. C'est qui l'a fait? C'est ça qui? Ah. C'est pas beau. Non, j'aime bien, c'est joli. J'aime bien tous ces bracelets. Merci. Tous ces artifices, oui. Je dis à 19h30 on a fini. Waouh. Comme je dis, 20h. Ça fait des petites journées. Enfin, c'est des journées normales quoi. On est cool quoi. Midi 20h. Oh, c'est trop chelou quand même comme photo. Attends, je vais voir que je filme ça. Non, mais filmer une photo. Mais si tu bouges. Allo, filmer une photo là. T'as pas l'impression de te foutre de la gueule du monde? Non, c'est cool. C'est quoi tu dis? Non, c'est quoi l'idée? Faut me serrer les cheveux parce qu'ils sont un peu trop propres pour un Claude. C'est vraiment vrai. Non, je sais pas si ça marche, si c'est un effet quelconque. Pour le salir. Moi, je vois pas la différence. Ah,
donc la crasse est plutôt dans les creux. On va pas tarder. Ah, copain. On est pareil. Mais... Ça va, c'est bien un peu, si. Oui. Oui. Ouais, c'est dommage, je suis assez crade. Tu veux bien? Qu'est-ce qui se passe, Avner? Il faut qu'il mette du coton parce que ce qu'il faut savoir avec Thomas, c'est qu'il se prend pour Marlon Brando en fait. Donc, il a décidé de mettre du coton dans sa bouche pour toute la série. Moi, je le laisse faire, hein, c'est son délire. Merde. Marlon? Oui. Tu vois? C'est pour ça. Non, ça a été le premier à inventer ça quand même, c'est fort. Hein. Thomas, c'est direct du coton. Bah, moi, je l'ai inventé avec du mouchoir. Ce qui est, voilà, c'est une autre technique, quoi. Sinon, tu peux l'imbiber de tout ce qu'il aurait pu prendre. Bonne idée. C'est bon ? Bah, c'est bon. Ah, il n'y avait qu'un ? Hein ? Personne ? Non, il y en avait plusieurs, mais c'était pas les mêmes. Marlon. Et donc, fais voir l'effet que ça donne. Regardez, c'est incroyable ! Regardez, je vais l'appeler Marlon, il va pas reconnaître son prénom, tu vas voir. Marlon, tu vois ? Incroyable. Jonathan. On y va ? Allez. C'est juste une perche au tout début. Quand, ouais, enfin c'est pas grave. Je sais pas si il va couper avant pour. Ah oui, là, je la vois. Bah, il y en avait une qui était bien sur, en général, tu vois. Mmh. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Il me parle à moi, c'est. Non, par contre, con, quoi. Non, mais mes making-of à moi, c'est pas ça. Hein. C'est pas les making-of, on fait des interviews. Hier, j'ai vu que t'avais tenté de dire à Jérémy, alors qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as tourné la scène ? Nous, on fait pas ça dans mes making-of. Tiens, t'as compris ? Je te le dis, hein. Nous, c'est des making-of naturels. C'est-à-dire, tu capes là, ce c'est qu'on fait c'est dans la. C'est pas naturel, c'est juste que. On n'est pas sur Internet. Non, mais moi, on a rien à raconter de spécial sur ce qu'on a senti parce qu'on a rien senti. Ah, excuse-moi. Ouais. T'étais là hier, toi, non ? Moi, je suis tout le temps là. Moi. Matos là-bas ? Non, y'a rien qui traîne. Si, y'a le son. La perche d'Antoine. Mais ça va, on est là, on est là. Y'a les madeleines en plus. C'est... Ouais, à mon avis, les gens sont plus dans le les madeleines. C'est clair. Bon, bah tiens. Tu joues quand même le mec beau prince quoi, qui file 20 E à un clodo. Oui, c'était déjà arrivé ou pas ? Oui, vraiment ? Filer 20 E à un clodo ? Pas mal. Moi aussi, moi j'ai déjà filé 50 E à un clochard. Même une fois 150 E. Même je laisse dormir beaucoup de clodo chez moi. Coupe. Non, mais si tu mets la bite dedans, j'attends pas une maladie là. Non, elle sera sale. Bon bah j'essaye. Tu veux ou pas ? Oui, mais vas-y plutôt comme ça, tu sais, en. Plutôt, voilà, mais il faut que t'enlèves carrément ton froc, hein, sera plus simple. Oh, vas-y, je te cache. Ah non, il le fait vraiment en fait, il le fait vraiment. Non. Mais non, je vais pas faire ça. Non, je vais pas aller au bout parce que vous allez plus me regarder par ailleurs. C'est clair. Avenir, c'est quoi la différence entre le bon youtubeur et le mauvais youtubeur ? Bah, un bon youtubeur, c'est un mec quoi. Même s'il est en train de manger dans une vidéo. On peut faire un truc comme ça. Tu vois, on s'en battra les couilles de son image parce que il assume. Or qu'un mauvais youtubeur, c'est un gars qui va intellectualiser ça, il va se prendre pour un comédien et va faire ah non, moi si je crache, il faut qu'il y ait un passé. Il y a un passé dans le crachat. Alors que tu vois, le bon youtubeur, il s'en fout. Ouais. Il va cracher, il va remanger. C'est ça. Tu filmais là ? Il s'en fout. Filmé là. Ah, putain. Et je pense que je peux avoir l'épée. Ah, là tu me fais plaisir. Je pense que ça date. Tu la joues pieds nus. Ouais. C'est cool. Je fais pareil chez moi. Tu te dis, ouais, c'est bon, on s'en fout. Bah oui. Ouais. Quand t'as pas vu dans l'épisode 6, quand je joue Mérine, j'ai fait exprès de me mettre en chaussettes. Ah bon ? Quand tu fais le plan serré cinéma, c'est genre cinéma badass et tout. Ouais. Et dès que tu prends le making-of, on voit que je suis en chaussettes. Ah oui, d'accord. Tu as pas vu ça ? Bah, j'ai pas vu le making-of. Moi, je regarde pas le making-of, mais juste la scène entre ça. Ah, je m'en souviens plus. J'ai pas le making-of, moi. C'est bon. Exact, mec. Hein ? Tu regardes pas mes vidéos. Si, je regarde tes vidéos, mais une fois, je retiens pas les répliques par cœur. Non, deux fois, d'ailleurs, pour certaines, quand elles me plaisent beaucoup. Parce que moi, je regarde tes vidéos environ 5 fois. Pas toutes. Si. Non, celles qui te plaisent le plus. Comme moi, celles qui me plaisent le plus, je les ai vues 3 fois, 4 fois. Moi, 5. Ouais, 6, oui, c'est celle du supermarché où tu mets fait ton steak. C'est là 6 fois. Atroce. C'est là où je me la regarde. Elle est atroce. Et qu'est-ce que ça me fait rire avec la meuf là, qui se retourne. Je te mets une steak là. Atroce. Ah non, s'il vous plaît. Atroce. Ah, mais c'est énorme. C'est horrible. Et qu'est-ce que t'as un bon personnage là. Allez, on y va. Je t'en rends pas compte. Vous pouvez vous mettre en position juste.
C'est-à-dire, c'est comment? Cette blague a été faite un milliard de fois. Je sais, je pense qu'on a pris les positions. Alors, c'est pas très naturel, mais est-ce que ça marche si on est là? Alors, attends, viens, tu peux juste vous mettre en position. Merci. La porte claque un peu plus vite. Ouais, oui, non, j'ai squeezé en fait. Squeezy? Squeezé. Squeezé, du verbe squeezer. On y va? Squeeze, alors, tu squeeze. Je suis désolé. You jeez. Bah oui. C'est bon? Non. Oui, c'est bon. Ce geste te sied-il ?